genre on vous raconte ce qui s'est passé. De base, on devait rencontrer le garçon du prod de la prod de God Seven pour qu'il nous donne les billets à 35. Sauf que nous, à 35, on était encore dans le métro puisqu'on s'est trompé dans le métro. Donc du coup, il nous a dit j'ai jusqu'à 45, après le show il va devoir genre commencer et faire des répétitions. Et donc, ça allait être trop tard. Donc Elodie, qui est là, a tapé la meilleure pointe de toute sa vie pour qu'il nous donne les billets. Et du coup, après, il est parti répéter. Enfin, on va rentrer. Je crois, hein, je sais même pas on est où. Je sais pas. 입당하시면 되세요. 네, 감사합니다. J'en peux plus, on est rentré. Comme on a les billets d'invité, on est rentré facile. On est à bout de force. C'était l'aventure la plus extrême de toute ma vie. Mais genre vraiment. Là, c'est... On est impressionnés parce que du coup le mec il nous a donné des places énormes. Wesh les amis, on est tout devant. Wesh, je suis choquée. Bah les gars, on est super bien placés. Voilà, ils sont juste là. Et là il y a tout le monde. Et il y a Elo qui est en train de mourir. Ils sont encore en train de danser et chanter. Et nous on est sortis en avance du coup. Putain maman est en train de promener. Il fait tellement chaud à l'intérieur de la salle qu'on est complètement mort. Mais c'était trop bien. On a ice tea. Là on ressort, c'est fini. Elodie c'était comment alors? C'est trop bizarre les amis parce qu'en fait on était dans la rangée de ceux qui ont été invités par le staff. Et il y avait quelques fans mais pas beaucoup. Et c'est trop bizarre parce qu'on a l'impression que toutes les personnes qui étaient dans notre rangée et dans la rangée d'à côté, tout le monde était des stars, genre on était juste en face de la scène. Et il y avait beaucoup de gens connus, on ne connaissait pas mais on pouvait voir genre qu'ils étaient connus. Et je sais pas, genre c'était trop bizarre, non, c'était trop bien. Mais du coup, à refaire. T'en penses quoi? That was unexpected. Non, c'était trop bien. L'ambiance était super bien. Juste les fans coréennes un peu plus dynamiques. Ouais, elles sont pas trop dynamiques non plus. Sinon, franchement, c'était super bien. En plus, il y avait ma chanson. Par contre, c'est trop bizarre parce que le stade il est là. Et il y a les bureaux de la JYP qui sont là. Voilà, genre là on voit pas mais c'est là. Et là on va chercher un endroit où manger parce qu'il est 21h. Attendez, je vérifie. Il est 21h39 et on n'a pas encore mangé depuis hier en fait. Donc voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait 20 minutes qu'on marche sans resto. Alors que de base on est sorti... enfin on marche pour se trouver un resto. Et là, on n'a pas de resto. D'habitude, il y a des restos partout. Le seul jour où nous, on cherche un resto, on tombe que sur des cafés. Donc c'est un peu bizarre, là. J'en ai marre, j'ai faim. Il y a un resto, là. Donc on regarde le menu. Alors. Ça a l'air d'être bon, non? Non, mais vas-y, on est. Oh, Kenaya. C'est fermé! On n'a pas de chance, c'est fermé. Ah! Drôle. Le seul moment où on trouve un truc bien, alors, c'est fermé. Ça va jusqu'au niveau 6. Donc de base la mission c'est de trouver de la nourriture. On a entendu de la musique, on a suivi la musique. Donc là, on va au concert de rue. Oh.
bah on va rechercher encore quelque chose à manger. Il y a personne. On l'a dit en même temps. C'est trop bizarre le fait qu'il y a absolument personne. Alors voilà, bienvenue au concert de Elodie Marie. Vas-y, montre-nous un peu ce que tu sais faire. Il y a personne, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Fais-nous. Donc là, on rentre à la maison. Et voilà. On rentre. C'était vraiment un concert de ouf par contre. Mais ce que j'ai eu du mal à comprendre. Peut-être qu'on peut comprendre, mais j'ai eu du mal quand même. C'est le fait que personne n'avait le droit de filmer ou de prendre de photos pendant tout le concert. Donc à chaque fois que quelqu'un se faisait prendre à filmer, il lui prenait sa caméra, il lui disait genre de les suivre pour aller les tout effacer en fait. Et quand tout était effacé, il revenait. Et ça par contre, ça nous a grave impressionné parce que ça m'a beaucoup surpris moi. Bah t'es ouf. Je m'attendais pas à ce que les gens et à chaque fois ce que t'as filmé. Ouais. En fait. Et il y avait tellement de staff en fait qui étaient là juste pour ça, juste pour vérifier que les gens prenaient pas de photos. C'était impressionnant en fait. On se sentait épiés de tous les côtés. Vraiment, ils avaient les yeux partout. Ouais. Tout le monde. Ouais, ça c'est un truc de fou. Par contre, on était juste en face de la scène. Ça c'était ouf. Ouais, voilà. Donc on a pu filmer un peu, mais à la fin. Et on a pu filmer avec nos téléphones. Un peu, ouais. Au début, mais après ils nous ont dit donc on devait arrêter. Ouais, donc voilà, je sais pas. Mais c'était trop bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que du coup le vlog que vous avez pu voir posait plein de questions et je voulais faire du coup un peu une story time à la fin de la vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé et le concert un peu. Donc du coup une de nos connaissances qui est le chorégraphe de GOT7 qui a chorégraphié leur dernier album nous a proposé cette semaine, en fin de semaine, c'était quand ? En début de semaine, nous a envoyé un message en début de semaine pour nous proposer genre justement si on voulait, comme il avait des places, parce que le staff ont toujours des places, et comme on est étrangère sûrement, il s'est dit ça allait nous intéresser, donc il nous a envoyé un message et nous a dit est-ce que ça vous intéresse, et bien sûr, on a dit oui, parce que c'est un concert et c'est cool les concerts, et c'est les GOT7, donc du coup oui, et du coup voilà, on était super excités toute la semaine. Pour ceux qui m'ont vu sur Twitter, je l'ai tweeté aussi. Et j'étais super pressée d'y aller. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est réveillé samedi matin assez tard. Ce qui a fait qu'on était un peu à la bourre, mais pas trop, donc ça allait. On s'est retrouvé en fait une heure avant à bouger de la maison, alors qu'on aurait dû bouger bien avant. On devait aller au stade olympique de Séoul. On a pris le métro. Je vous rappelle qu'on avait rendez-vous à 17h35 avec le chorégraphe derrière le stade, et on a pris le métro, on s'est perdu dans le métro, on est sorti du métro, on a pris un taxi, on a demandé au taxi d'aller le plus vite possible, le taxi est parti, on s'est retrouvé à 35 à l'entrée du complexe du stade de Séoul, et pour ceux qui y sont déjà allés, c'est énorme, il n'y a pas que le stade olympique, il y a plein de petits trucs autour. Et c'était la première fois qu'on y allait, donc on savait absolument pas c'était où. Et le chorégraphe qui nous envoie un message sur Kakao qui nous dit vous avez 10 minutes parce qu'après je dois retourner du coup au répète ou je sais plus c'était quoi. Il nous dit vous avez 10 minutes pour arriver parce que dans 10 minutes je peux plus vous attendre en fait, je peux pas rester dehors parce qu'il doit retourner. Je sais pas pourquoi, il doit retourner dans le stade du coup avec les GOT7 ou le staff, je sais pas quoi. Et on était là, on n'en pouvait plus parce qu'on savait pas c'était où. Et Elodie qui commence à s'exciter, à courir partout, même si elle savait absolument pas où aller. Et moi je lui disais mais tu sais pas où tu vas, arrête de courir. Mais on avait 10 minutes. Je vous jure, c'était les 10 minutes les plus intenses de toute ma vie. On s'est dit il nous restait 10 minutes pour y aller. Et si on n'y arrivait pas en fait, si on n'arrivait pas à rencontrer le gars en 10 minutes, on n'avait pas de place. On commence à courir. Et Elo elle demande à une coréenne du coup où c'est le parc olympique. Et elle nous dit c'est juste là, vous devez aller tout droit et vous y arrivez. On arrive devant le stade, il est 35, 36. Il nous restait combien de temps? Il nous restait seulement 10 minutes. Non, il était même pas 35, 36, hein. On est arrivé là-bas, il était 40. Il était déjà 40. Ouais, on arrive devant le stade, il est 40. Sauf que le stade il est énorme, il y a 40 000 portes au stade. Et le mec il nous dit une porte, mais en fait
on savait pas, mais en fait c'était pas une porte, c'est une porte qui est derrière, qui est pour l'entrée du staff. Mais nous on savait pas, on pensait qu'ils nous attendaient devant l'entrée, bah, de l'entrée de où les gens y rentraient en fait. Et commence à courir. Elodie a fait le tour du stade et elle s'arrête justement dans le truc du staff parce que elle s'est dit bah c'est pas là, donc elle revient. Sauf qu'en fait le truc c'était là. Et elle s'est rendue compte parce que le mec du coup il nous a donné le numéro de la porte. Et bah ouais, mais en fait c'était pas vraiment les portes où tout le monde rentrait, c'était les portes par derrière. Donc bah, c'est normal qu'on savait pas. Et elle court, elle court, elle court. Elle arrive à rencontrer le gars juste devant la porte de derrière avec bah, tout le monde. Et il lui donne les places et il repart en courant à l'intérieur du stade parce que le pauvre il était en retard, on l'a mis, peut-être qu'on l'a mis dans la merde, on sait même pas. Et il retourne à l'intérieur du stade, il nous donne les places. Et je croyais tout le stress des 10 minutes, on a couru. J'étais rouge. Elle était rouge. Et moi j'avais jamais couru comme ça depuis le 3x500 au lycée. Je te jure Elodie, j'avais jamais couru comme ça depuis le lycée. Et tout redescend. Et du coup là bah, on est derrière le stade, on est à l'entrée, bah, je crois que c'est l'entrée des artistes ou je sais pas c'était quoi. L'entrée du staff. Et on est là, on a enfin nos billets. On se repose, il reste 20 minutes avant le début du concert. On dit bon au calme, on va rentrer. Comme il y avait encore des gens qui rentraient dans les autres portes qu'on a vu devant le stade, on s'est dit bon tranquille, on a le temps. Et il y a un moment, bah nous en fait on est encore derrière, on est encore avec dans les trucs du staff en fait. Et à un moment, je sais pas en fait, on reprenait juste notre souffle. Et à côté de l'entrée, il y avait des voitures et tout. Et il y avait un truc qui était avec un fil en gros interdit de rentrer. Et il y avait plein de voitures. Et moi je me dis bah du coup comme c'est l'entrée des artistes, il doit y avoir des... On n'a pas trop cala. Sincèrement, on n'a même pas calculé ça. Juste en fait, je vois un mec qui est derrière le truc, le fil où on n'a pas le droit de rentrer, qui est avec une casquette genre super épaisse. Et je dis à Elodie, complètement débile, je dis à Elo, tiens c'est Jackson. Sauf que c'était absolument pas Jackson. Et le mec je le regarde, il me disait un truc de fou. Et je le regarde, mais comme il avait une grosse casquette, je me suis dit mais non, c'est pas Jackson. Mais mon premier réflexe c'était de dire ça, je me suis dit putain c'est Jackson. Et je le regarde, et nous on attendait, comme on attendait toujours que le truc qui redescende, on était là, on était posé tranquille, et moi je le regarde, et je vois le mec, il est là, et bah, il fait sa vie tu vois, et je retiens sa tête, parce qu'il était juste en face de nous, enfin il était juste à côté là, il était pas loin de nous, et moi je retiens sa tête parce qu'il me disait quelque chose, je me suis dit lui, c'est quelqu'un, après j'ai oublié, et en fait je me suis rendu compte que... Bah après le concert, en fait tout le concert, on s'est rendu compte après le concert. Mais tout ce qui s'est passé dans le concert, toutes les personnes qu'on a rencontrées dans le concert et qu'on a vues, bah, on s'est rendu compte de qui ils étaient après le concert en fait. Voilà, juste voilà. Et en fait je me rends compte que il y a une fille sur Insta qui m'envoie un message qui me dit ah oui il y a le mec de BTOB qui était sur qui était au concert. Sauf que le mec à la casquette là, il était assis aussi dans notre comment on appelle ça, pas notre rangée forcément, dans notre carré. Et en fait il était à deux personnes en face de nous. Et je le reprends. Ah mais je dis bah oui c'est pas Jackson forcément parce que Jackson il va être sur scène. Mais je me souviens du mec avec la casquette, je le retiens. Je me dis ah ouais il est là, donc il est juste en face de nous, genre à deux personnes de nous. Et je me rends compte que bah, du coup la fille sur Insta m'envoie un message, elle me dit bah il y a le mec Peniel, je crois Peniel des BTOB qui était sur qui était au concert justement, qui était au concert des GOT7. Et je sais absolument pas qui c'est. Genre de nom ça me dit rien, j'ai du mal avec les noms, donc moi ça me dit absolument rien. Je vois c'est qui BTOB, je vois pas c'est qui Peniel. Je vais sur Google, ou je sais plus, je suis allée sur Google ou je suis allée sur Insta. Et je suis allée sur Insta. Et je vois qu'il a posté une photo avec les GOT7. Et je reconnais la personne en fait. Je me dis ah bah voilà. C'était bien le mec des BTOB qui était juste à côté de nous, qu'on a absolument pas reconnu. Même si on savait c'était qui, on a absolument pas reconnu. Et en fait c'était juste marrant de savoir qui c'était, puisque enfin j'ai su qui c'était. Mais tout le truc en fait c'est ça, c'est des gens, je sais pas qui c'est de base. Et je me retrouve à chercher qui c'est et me rendre compte que c'est des gens qui sont connus. Donc voilà. Après on s'assoit, on se rend compte qu'on est super bien placé. On rentre, bah du coup on rentre par derrière. On rentre on rentre normal. On demande où sont nos places parce qu'on sait pas trop se... Ben comment on dit, on sait pas trop se situer en fait par rapport au stade et par rapport aux autres. Donc on demande à plein de staff où on est assis. Du coup il y a une dame qui, enfin une meuf du staff qui nous ramène où on est. Et on s'assoit et on se rend compte qu'on est juste en face de la scène.
Mais je suis jamais allée à un concert aussi près de ma vie. Je suis jamais allée à un concert de base. Enfin, vraiment genre un réel concert d'un artiste. Mes premiers concerts de ma vie, on est en face de la scène. Il y avait 4 rangs devant nous. 4 rangs de... bah 4 rangs. Et là, il y avait la scène. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était un truc de ouf pour moi. Et en fait, j'arrivais pas à me rendre compte. Bah oui, forcément. Et j'arrivais pas à dire, oui, Elodie, c'est un peu normal qu'on soit bien, assis. Parce qu'on a quand même nos places, on a quand même eu des places grâce à quelqu'un qui était censé avoir de bonnes places, tu vois. Et mais j'arrivais pas à me le rentrer dans la tête que c'était qu'on était assis à des places de ouf en fait. Et bref, il y a, je crois qu'il y avait, ce rang là où on était nous, enfin pas le rang, le carré où on était nous et le carré qui est à côté, c'était deux carrés côte à côte. Et c'est là où il y avait le plus de personnes du staff en fait. Enfin du staff des God Seven ou de la JYP ou bref, et des gens, enfin des gens qui étaient en lien avec eux. Et on se rend compte que dans tout le salle il y a beaucoup de fans. On se rend compte que dans l'autre il y a pas beaucoup de fans. Enfin dans notre carré il y a pas beaucoup de fans. Il y a plus de gens qui sont posés, qui sont là, qui regardent. Bah en gros pas des fans et tout. Et plus on regarde les personnes, et plus je me rends compte qu'il y a des gens ils me disent des trucs quand même. Enfin c'est bizarre. Je me retourne vers Elodie et je dis Elodie regarde à ta droite. Il y a deux blonds qui sont juste à côté qui me disent quelque chose de ouf. Et il y avait deux blonds et un brun. Et je les regarde. Je me dis non, c'est quelqu'un. Et je, moi, oh, complètement débile, première chose que je dis c'est putain, peut-être que c'est les mecs de Produit 101. Absolument pas. Je me suis vite enlevé l'idée de la tête. Et je les regarde. Et je vous jure que pendant 2h30, j'avais mal à la tête. Je me disais, mais qui c'est? Genre, à quelques chaises. Genre, quelques chaises. Quelques chaises de nous, en fait. Là, nous, c'est là. Ok, nous, on est là. Et 1, 2, 3. Et oui, c'était là. Et je les regarde. Enfin, ouais, on les regarde. En fait, je me cachais même pas. C'est des regards, j'étais comme ça. Et je les regarde. Et on voit leur profil. Et moi, je me disais, mais non. C'est quelque chose, ça. Je suis désolée, je connais. Je vois qui c'est. C'est quelqu'un que je connais. Elodie, elle me dit, mais non, c'est juste des Coréens, ils sont blonds et tout. Et je dis, non, Elo, vraiment. C'est genre, c'est quelqu'un. Je sais pas qui c'est, mais c'est des gens. Et je leur dis, tu vois, il y en a trois. Il y a deux blonds, un brun, et il y a un mec qui est habillé en noir. Lui, c'est le manager. La meuf qui s'invente une vie, je sais même pas si c'est vrai. Tout ce que je sais, c'était que les deux blonds et que le brun, c'était des restas. Je sais pas d'où ils venaient, je sais pas qui c'était, mais on était là. Moi, ça me paraît ouf. Non, nous on était là, ok. Nous on était là. Et oui, ils étaient là. C'était un truc de ouf. Et je regarde. Bah, je sais pas qui c'est, parce que je n'y connais rien. Donc, du coup, j'ai mal à la tête. Elodie, elle avait mal à la tête par rapport à une meuf qui était juste en face de nous, qui était blonde. Bon, si quelqu'un sait qui c'est, on sait toujours pas qui c'est. Elle avait les cheveux blancs. Une fille qui a les cheveux blancs et qui est très 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 belle et qui est très grande. Elle avait un faux air à Sandara Park. Et aussi à une fille des Momoland. On sait pas qui c'est, mais on sait que c'était une resta. On sait pas qui c'est, mais elle était juste. Bah, nous on était là et elle était en face de nous. Et en fait quand je me rends compte qu'en fait tout notre carré c'était des gens, c'était pas n'importe qui, tout notre carré. À part il y avait des fans derrière nous, il y avait deux fans à notre gauche, mais sinon les gens, il y avait un Thaïlandais, je crois c'était. Lui, un Thaïlandais, c'était un trainee, mais genre lui ça se voyait à sa tête. Je sais pas qui c'était, mais c'était quelqu'un. Parce que le mec était à côté, je suis sûre que c'était son manager. Et lui il était super beau. Il était jeune, pourtant. Il était super jeune. Mais il était vraiment, vraiment beau. Et il avait vraiment la tête d'un trainee où... Bah, j'ai jamais vu sa tête, donc je me suis dit... En tout cas, c'était quelqu'un. Bref, voilà, c'était quelqu'un. Et du coup, la fille, si vous savez qui c'est, lâchez en commentaire, je sais pas. Mais nous, on sait pas qui c'est. Pas les photos, donc ça va être difficile. Ouais, mais en tout cas, elle avait les cheveux blancs. Mais blanc. Elle est super grande. Une tête toute petite. Un peu longue. Et super mince. Et elle est belle. Oh, mais elle est super belle. Et du coup, ouais, on est assis à côté de Stray Kids. Voilà. Deux, trois chaises, voilà. Hein. Je sais pas. Et le mec, et du coup, le trainee, il était en face d'Elodie. La chaise en face. Là, dans la chaise en face, il y avait la fille. La fille super belle. Il y a une chaise de la fille super belle.
Il y avait le trainee là qui était thaïlandais. Thaïlandais, si c'était un thaï. Ouais, c'était un thaï. Ouais, c'était un thaïlandais, moi je suis sûre. Et ouais, et du coup, ouais. Bah en fait, on était. Il y avait une rue ça devant. Les Stray Kids à trois chaises. Un trainee juste en face. Et quelques fans juste derrière nous et quelques fans devant nous. C'est un truc de ouf. Et juste petite notice, les Stray Kids se sont plus amusés dans le concert que les fans coréennes. Parce qu'à chaque fois qu'on les regardait, ils étaient en mode... Ils faisaient que de rigoler, genre, ils s'amusaient à fond dans le truc. Mais ils sont super mignons. Genre vraiment, ils sont vraiment cute. Je sais pas ils ont quel âge, mais ils étaient vraiment, vraiment mignons. Ils avaient l'air très très jeunes. En fait, on n'y connaît rien, mais du coup, voilà. Pour en venir à comment on a su que c'était les Stray Kids, bah, on rentre à la maison. À peu près comme tous les autres artistes, on s'est rendu compte que c'était après. On rentre à la maison et on voit une photo de. Bah, des God Seven avec les Stray Kids. Et du coup, comme j'avais remarqué la photo avec Peniel des BTOB, je me suis dit. Donc, lui, je l'ai reconnu direct, parce qu'il était aussi dans le carré à côté. Et. Bah, le truc de. Enfin, les deux blonds et le brun de Stray Kids aussi, je les ai. Bah, je me suis dit, mais. J'ai montré la photo à Hello. Et elle m'a dit, mais c'est eux. Et je lui dis, putain, tu vois, je t'avais dit, c'était des stars. C'est le même, elles y connaissent rien, mais elles ont un doute, tu vois. Donc, sur toutes les personnes, on a eu un doute sur eux. On a eu raison sur bah, le mec des BTOB et les Stray Kids. Et les autres, bah, on sait toujours pas qui c'est. Le trainee vietnamien, je sais pas qui c'est. Et la super fille, super belle, aux cheveux blancs. On sait pas qui c'est. Mais elle le sait, elle est avec son manager. On sait pas qui c'est. Donc voilà, story time un peu ouf. Bah on espère qu'on aura d'autres occasions d'aller à des concerts parce que moi c'était mon premier concert et j'ai vraiment kiffé. Et on était genre vraiment trop contentes. On s'est excusé plein de fois au chorégraphe parce qu'on était super super désolé d'être arrivé en retard. Et on lui a dit bah, du coup qu'on allait lui payer un repas quand il revenait de sa tournée parce que comme il part en tournée avec les God Seven, le World Tour. Vive le public français. Parce que les coréennes, c'était très 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 platonique. Ouais, platonique, c'est ça le mot, voilà. Il y avait rien de ouf, c'était pas... voilà. Que à la fin où du coup tout le monde s'est levé, mais pendant tout le concert, personne s'est levé. Mais personne s'est levé. Et du coup, peut-être qu'il y a eu d'autres stars avec nous, on ne savait pas. Mais du coup, moi à part les Blackpink, Twice, tout ça, je connais personne. Donc en soi, on aurait peut-être pas pu savoir, mais je sais que j'ai remarqué les Stray Kids, j'ai remarqué le mec avec la casquette, parce qu'on les a vus en face en fait. Ils étaient vraiment à côté de nous. Du coup, tu peux les retenir dans ta tête. Mais comme on était en général, on était dans le noir, les autres carrés et tout, je sais pas. Et voilà, j'espère que vous avez aimé un peu ce story time vlog, mixed vlog et tout. Déjà, je sais pas, en fait, c'était juste... Personne n'est calculé en fait. Peut-être que les gens le calculaient, on remarquait pas, mais nous on les a juste remarqués parce qu'ils étaient vraiment beaux du coup. Enfin, j'arrêtais pas de dire. Surtout moi, je les ai beaucoup marqués parce qu'ils étaient vraiment beaux. Et vraiment très très jeunes. Genre vraiment. Et ils avaient un blond, c'était les seuls deux blonds de toute la salle. Et comme ils sont à côté de toi, c'est les seuls blonds. À part toi, il n'y avait pas de blond, Elodie. Genre, tu vois, il y avait Elodie, elle était blonde. Un mec, le manager qui était pas blond. Et les deux blonds, là, les Stray Kids, les deux blonds et un brun. Et voilà, c'était, je sais pas, pour terminer, on va terminer cette histoire ici. C'était super cool et... c'était trop marrant parce que... Il y avait, quand on est parti au concert, on n'est pas du tout parti avec ce délire de... On allait rencontrer je sais pas qui. Nous on a pris les places, on pensait qu'on allait avoir des places. Genre tranquille, normal. On s'est retrouvés à des places... Crème de la crème. Et c'est super cool. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et comme vous avez pu le voir, j'ai aussi filmé un make-up aujourd'hui. Donc si vous voulez aller voir le make-up, allez voir le make-up. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss.